Salut, allez, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Hop HF8 de Next Level Racing, le siège de gaming, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai, comme à mon habitude, contacté la chaîne et, comme à mon habitude, j'ai eu une réponse évasive du genre on vous recontactera. Donc, je voulais acheter ou avoir, vous savez, quand on fait des reviews, on essaye d'avoir les produits avant, on essaye d'avoir un partenariat entre guillemets, enfin, et j'ai pas eu de modèle. Bref, l'impression que les Français, encore une fois, ont été mis de côté. J'ai vu beaucoup de reviews en américain, allemand, peut-être anglais également, mais voilà, pour le coup, donc, bon, je l'ai pas acheté pour vous faire une review, vous en doutez bien, je l'ai acheté parce que ça m'intéresse. Alors, à quoi ça sert? C'est un complément pour avoir une immersion supplémentaire dans vos jeux de sim racing ou de vol, que ce soit Flight Simulator ou tous les jeux de course que vous connaissez. J'en avais déjà eu un à l'époque, c'était le Gametrix K908, je crois, de tête. Je l'avais acheté en 2016. Il m'avait super bien servi. Enfin, j'étais super satisfait, bah, à force d'être toujours dessus. La qualité étant voilà, pas optimale. Eh bien, ça s'usait et les moteurs se sont craqués. Donc, je leur ai donné une deuxième vie. J'avais effectivement utilisé les moteurs pour les mettre sur mon pédalier. Mais donc, du coup, après, le fabricant ne le faisait plus. Donc, j'ai pas pu le racheter. Ensuite, il y a Force Field, je crois que c'était Reltaus, une drôle de marque, qui avait commencé à commercialiser, qui avait peut-être, je sais pas, repris le brevet. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais le fait est que ça a été très long à avoir les commandes. Il n'y avait pas de sous-garantie. Enfin, c'était assez compliqué, d'après ce que j'ai compris. Et le produit faisait pas forcément cheap, mais c'était un peu bizarre. Donc, là, il y a Next Level Racing. Je sais pas si pareil, ils ont repris un brevet. En tout cas, c'est exactement le même type de siège. On va aller voir tout de suite un peu ce qu'il y a sur le site. Alors voilà, on se retrouve donc sur la page de présentation du site de Next Level Racing. Alors tout de suite, le terme c'est HF8 Haptic Gaming Pad. Alors vous savez qu'en termes de vibration sur les moteurs, il y a plusieurs technologies. La dernière en date c'est le système haptique. Alors maintenant, on va voir si ça révolutionne le genre. J'en suis pas convaincu. C'est vrai qu'à l'origine, les moteurs de base qui étaient sur. Bah, c'est comme sur les moteurs de tout ce qui se fait, hein, sur les. Notamment sur le V3 de Fanatec, c'est les petits moteurs qui tournent autour d'un axe, donc qui font faire des vibrations. Là, je vais regarder, vous voyez, la boîte elle est là, je ne l'ai pas encore déballée. On va regarder ça dans le détail. Donc ici, la page de garde, on nous montre plusieurs photos, que ça peut se mettre effectivement sur une chaise gaming, sur un playseat. Il y a une commande de volume, enfin de volume de puissance en tout cas. Donc on va regarder un petit peu ça dans le détail. Chose qui est aussi importante, on va regarder, c'est hop, est-ce que ça change? Oui. Les jeux compatibles. Alors là, attention, une petite nuance, entre guillemets. Donc les jeux compatibles HFS, donc du produit. Aston Corsa, ACC, AMS2, F1, e-Racing, CarCraft, Project Car 2, Project Car 3, et c'est tout. J'y ai pas vu Restroom, j'y ai pas vu Air Factor 2. Alors je les ai contactés. Pareil, j'ai pas forcément eu de réponse, mais j'ai contacté également le producteur de Simub sur PC et il m'a dit que c'était totalement compatible. Et effectivement, je vous passerai un petit tweet sur le côté effectivement où Next Level Racing a également communiqué sur le fait que Simub, le plugin donc de PC, était compatible pleinement avec ce produit. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Moi je préfère avoir un seul logiciel ouvert qui fait la totale que plutôt d'en avoir deux ou trois, vous en doutez bien. Et il y a également des jeux de vol compatibles, c'est X-Plane 11 et Microflight Simulator. Alors après sur les simu de vol, j'ai un peu plus de comment dirais-je, pas de mal, mais de doute sur l'efficacité. Là quand on est sur un châssis, sur une voiture en fait, on a des éléments de vibration de part et d'autre. Sur un avion sans contact au sol, ouais. Bon, bref, je testerai. Alors, la vidéo, alors déjà, première chose, j'en ai pas parlé, c'est compatible PC, console. Voilà, il vous faudra, je vais vous expliquer après, on va commencer par la console. Pourquoi je commence par la console? Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas être déçu. Je veux avoir un avis objectif, et on sait que sur PC, parce que ça utilise la télémétrie, venez pas rager hein, dans les commentaires, je vous le dis clairement. Ça utilise la télémétrie des jeux. Donc c'est bien plus précis et bien plus indépendant que ce que ne peut faire la console, puisque sur la console, ça utilise le son, tout simplement. Donc les basses, les graves, gauche, droite, voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par la console et vous donner mon avis sur ce que ça donne comme effet. Et ensuite, on passera sur les simu PC et sur peut-être la simulation de vol. On va voir ça tout de suite. Allez, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Non. Allez, c'est parti.
Allez, voilà, on se retrouve après l'installation. Donc voilà ce que ça donne sur mon siège Sparco. Donc en gros, j'ai mis quoi? Allez, bon 10 minutes pour l'installer. Il y a des sangles ici sur les côtés. Hop, qui fait le tour. Je vous montre là, elle passe derrière. Vous en avez deux ici, hop, qui passent également derrière pour serrer ensemble pour pas que ça bouge. Ensuite, vous en avez une là qui passe derrière également sur l'assise et une dernière ici. Voilà, pour faire le tour sous le baquet. Alors, ce qu'il faut voir également, bah, vous avez donc les 8 moteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, ce sera à régler indépendamment pour la version PC. Ce qui n'est pas à négliger, je ne sais pas si on le voit, c'est l'épaisseur en fait par rapport au moteur qu'il y a dedans. Donc effectivement, c'est un beau coussinet de 2-3 cm. Donc à prendre en compte, on va voir au niveau de l'assise ce que ça donne. On va se retrouver sur la console pour voir un petit peu et vous donner directement mon ressenti. Bon, allez, c'est parti. Je suis installé. Alors, ça risque d'être le bins parce que voilà, c'est pas évident. Je vous explique maintenant pour la console ce qu'il vous faut. Alors, il vous faut déjà, hop, si je retrouve un T, hop, pour l'entrée, en tout cas la sortie audio. Vous branchez ça sur votre manette de PlayStation et du coup, vous avez deux sorties. Donc, une pour votre casque pour avoir le retour du jeu, dans mon cas, hop, et l'autre pour le siège. Voilà. Donc, on va regarder si ça marche tout de suite. J'ai bien le retour du son. Et ici, hop, il faut que je chope le jack. Voilà. Je pense que vous verrez ici. Hop, le jack, je le branche ici. Voilà. Ça, c'est fait. Je n'y touche plus. Donc, le jeu, normalement, il record. La caméra record. Le flou est un petit peu présent, mais c'est pas grave. La radio, la télécommande plutôt. Ici, alors là, il suffit juste, je crois, de rester appuyé 5 secondes. Voilà, je l'ai mis en route, j'ai réussi à l'alimenter, il clignote, donc visiblement on sait que ça fonctionne. Là, je sens que ça vibre à gauche. Une petite wicorne. Là, ça vibre pas mal. Au freinage, un petit peu, on dirait plus que c'est à la décélération en fait. Ouais, c'est ça. J'essaye de voir si on sait différencier gauche et droite. On va se prendre le vibreur sur la droite. Pas évident de faire la différence. Donc là, l'accélération pleine, j'ai pas de vibration. Dès que je relâche, là j'en ai. Le problème, c'est que c'est une molette sans fin. Donc j'ai beau tourner, on ne sait pas du tout si je suis arrivé au bout ou au début en fait. Enfin, c'est ça là, un petit peu le problème. Alors, passage de vitesse, on n'a rien. Non, c'est dans les basses vibrations au niveau du régime moteur. La vibration du volant. On n'a rien du tout. Là, ça se base vraiment sur le son. Je vous le dis clairement, très objectivement. Donc là, ça vibre plein pot. On dirait légèrement. Là, ça vibre tout le temps. Sans raison vraiment apparente. Mais le problème, c'est que tu peux pas le régler en fait. C'est un jeu qui te donne les graves, les basses et les fréquences et tu n'as pas d'action dessus en fait. Et ça tape pas plus que ça. Enfin, je vais peut-être essayer de. Là, je l'ai éteint. Enfin, je l'ai éteint, je l'ai diminué. J'augmente. C'est pas. Alors, c'est confortable, hein. Le siège en lui-même, il est confortable. C'est pas le problème. On n'est pas là pour tester vraiment ça. Même si je donne mon ressenti, mais là, j'ai aucune vibration. En accélérant non plus. Là, à part le volant, j'ai pas eu l'impression d'aller sur un vibreur. Non. C'est mitigé. Après, honnêtement, pour le prix, si vous êtes sur console, je donne mon ressenti à chaud là. Blocage de roue, j'ai pas eu non plus.
vais le refaire. Non. C'est tellement subtil que j'essaye de trouver un maximum de ressenti, mais... En appui, t'en as un petit peu. J'essaie de changer de voiture, peut-être que c'est la voiture. Allez, deuxième essai. Là, ça vibre pas mal dans le dos. Je suis même en train de demander si au niveau du... de l'acide en elle-même, si ça vibre. On ne les sent pas. On va se lire un peu. Et rien de... extraordinaire. Ouais, si, ça vibre un peu. Mais... J'espère vraiment avoir plus de ressenti sur PC, parce que là... Là, c'est la... déception. On va se lire. Bref, on n'est pas là pour faire la course, on est là pour tester ce siège. Oui. Vibreur, je ressens rien. Non, je vous dis, c'est vraiment basé sur les sons du jeu, donc il n'y a pas de miracle. Après, si vous n'êtes pas embêté par le budget, je dirais allez-y, mais là, très clairement, 250 balles pour ça. Non, on va cesser là-dessus pour un avis très très mitigé, même quasi unanime, dans le sens où je vous conseillerais pas forcément si vous n'êtes que sur console. Alors maintenant, on va passer sur la version PC, mais que j'ai pas encore testé, hein, peut-être que je serai également déçu. Parce que je trouve que vraiment ça manque de patate en termes de vibration. Allez, on passe à la partie PC. Allez, on se retrouve donc sur Imola pour tester avec cette Ginetta vite fait en vue extérieure pour vous montrer un petit peu à quoi ça consiste sur PC. Donc vous avez en bas gauche l'affichage de Simub. Alors je n'ai pour l'instant mis que deux effets. Les vibrations dues au hors-piste, c'est-à-dire l'herbe et au vibreur. Donc un côté gauche, un côté droit selon la répartition et l'impact des roues. Et le deuxième, c'est le blocage des roues. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir voir sur le graphique, ça fonctionne. J'ai pas mis les vibrations par rapport au RPM, c'est-à-dire la régime moteur. J'ai pas mis le rapport de vitesse. Voilà, j'ai rien mis de tout ça. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre trop d'informations et justement de ne plus comprendre ce qui se passe en fait. Sinon, ça n'aura plus d'intérêt. Pour l'instant, pas forcément de vibrations. Là, je vais en avoir hop, à droite, sur tout le côté droit. Alors désolé, je conduis comme un pied. Hop, là, côté gauche. Extérieur sans VR, c'est compliqué pour moi. Là, on va freiner. Je sens le freinage, blocage des roues. Tout vibre. En fait, toute l'assise vibre. Pareil, vous avez certainement dû le voir sur le graphique. Alors, ça peut paraître léger. Encore une fois, c'est de la vibration haptique. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est moins puissant. L'avantage sur PC, c'est qu'on peut booster au max le signal, que ce soit des vibrations ou du son. Donc, ça, déjà, ça permet d'avoir un peu plus de boost. Maintenant, c'est léger. Alors en VR, je pense que j'aurai peut-être un peu plus de ressenti, mais voilà, il faut encore que j'affine les réglages, hein, bien évidemment. Mais en fait, là pour l'instant, je pensais avec que j'avais bien plus d'informations que ça avec le GameTrix, peut-être parce qu'il était moins confortable, qu'il y avait moins de mousse, donc du coup j'étais plus en contact des moteurs possible, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, pour le moment, sur l'essai que je fais, alors forcément ça n'a rien à voir avec la console, c'est bien évidemment bien mieux puisque c'est beaucoup plus précis, on fait ce qu'on veut et c'est des vrais effets. Là sur console, si je passais sur le vibreur, j'avais rien, quasiment rien sur les moteurs, donc ce n'est pas comparable. Alors on sent quand même. Alors maintenant, est-ce que je vais rajouter des pertes d'adhérence? Est-ce que je vais rajouter toutes ces choses-là? Je ne sais pas. Pour remettre un petit peu plus de vie. Maintenant, la subtilité, elle est justement de ne pas vouloir trop mettre. Voilà, là ça vibre. C'était dû au freinage, au blocage de roue. Je
Je pense pas que j'en ai à l'accélération. Alors je ne ferai pas de test, hein, je vous le dis maintenant tout de suite d'emblée. Je ne ferai pas de test sur la version Flight Simulator parce que bon, franchement, c'est pas quelque chose qui vous transcende. Hein. Au moment où j'écris cette vidéo, où je tourne cette vidéo, je suis en train de me demander est-ce que je le garde ou pas. Très objectivement, très honnêtement, avec vous, c'est quand même un certain budget. Donc voilà, là je ne sens rien, tout est dans le volant. Après c'est un choix, hein. J'aurais pu mettre... Je vais même le mettre, vous allez voir si je peux le mettre en direct. Hop, on va aller voir tout de suite. Hop, est-ce que je... Voilà, vous voyez. Donc là, vous voyez, j'espère... Je vais peut-être essayer de l'agrandir pour vous. Est-ce que je peux l'agrandir? Hop, on va l'agrandir. Est-ce que je peux choisir? Donc là, je vais mettre Rod Vibration. Vous voyez? J'espère que vous le voyez. Est-ce que vous voyez mon curseur? Je suis même pas sûr. Hop, oui, voilà. Rod Vibration. Donc je vais le détailler. Hop, l'activer ici. Vous voyez, quand je fais test, hop. Donc là, gauche, droite... arrière, voilà. Là il n'y a que l'assise. Après on peut choisir de gauche droite, devant derrière ou mono. Devant derrière ce sera également que l'assise. Je peux pas gérer les moteurs du dos en fait avec celui-ci. Alors après il faut revenir, on va laisser comme ça, il faut revenir ici, que je vous dis pas de bêtises, dans sortie moteur. Et après dans chaque sortie moteur, par exemple si je reprends ce que je vous disais, hop, Rod Impact, voilà, vous devez choisir si vous allez gérer les moteurs différents de left, right, front, rear, voilà, c'est, tout se gère là en fait, donc soit vous l'activez ou non, ça c'est à vous choisir, selon seat front right, seat front left, seat rear light, seat rear left, back, voilà, en fait tout est géré ici, et selon ce que vous allez cocher, vous allez pouvoir avoir le choix, évidemment, dans le profil ici. Donc tout est à choisir en fonction de ce que vous allez mettre. Maintenant, moi je le laisse comme ça. Donc j'ai juste rajouté Rod Vibration. On va le mettre, allez, encore à 100%. C'est toujours pareil, hein, pour avoir le maximum d'effet. Sinon, encore une fois, pour moi, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Hop, on va baisser. Hop, voilà. Et on y retourne. Voir s'il y a du changement. Déjà là il y en a un petit peu. J'ai déjà des vibrations en roulant simplement sur la route. Donc certainement dû au laser scan ou tout ce comme ça, tout ce qui est retranscrit, tout ce qui est donné comme information. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le son. Donc c'est peut-être un peu plus vivant. Effectivement, il va falloir que je peaufine ça entre l'assise et le dossier. Dans le dos, on ressent vraiment bien les choses. Alors désolé si ma caméra commence à s'assombrir, il commence à faire nuit. Mais voilà, est-ce que en mettant peut-être un peu plus d'informations, ouais, là ça vibre tout le temps, là. Enfin tout le temps, avec nuance, mais ça vibre, parce qu'on est sur la route et selon l'état de la piste, effectivement, ça peut jouer. Alors pourquoi j'ai pris AMS2, voilà, la télémétrie selon les jeux, elle n'est pas si différente que ça. J'ai pris AMS2 parce que c'était plus simple pour moi de l'allumer. Ouais, là c'est déjà peut-être un peu plus parlant, t'as l'impression d'avoir mis de l'argent pour quelque chose, effectivement. Donc voilà, toujours pareil, hein. C'est une histoire de réglage et je vais mettre du temps certainement à peaufiner tout ça. Et en VR ça va me rajouter pas mal de vie, parce que je vous l'ai dit, un simu avec VR1 je ne peux pas, ça fait trop de bruit, c'est trop coûteux, c'est trop chiant à régler pour moi. Voilà, bon, t'en sors avec 250 balles, ça rajoute un petit plus. Bref, voilà. Eh bien, on se retrouve pour la petite conclusion, que je vous dise un petit peu ce que je pense de ce siège fauteuil haptique. Voilà, on se retrouve donc sur le bureau pour vous faire un petit résumé par rapport à ce que je vous avais dit hier, à ce que je vous avais présenté. J'ai voulu faire plus de tests, me laisser un peu plus de temps pour vous donner un avis un peu plus réel de la situation et de ce que je pense de ce siège. Donc en plus, j'ai fait une course hier sur LFM avec R-Factor 2 par rapport justement à MS2 que je vous avais fait, pour lequel je vous avais fait l'essai. Donc qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que je vous donne comme résumé? On va commencer par la partie console. Je vous déconseille fortement de l'acheter. Alors pourquoi? Toujours pareil, en regard du prix, 250 €, je trouve que ce n'est clairement pas assez précis, donc pas assez utile par rapport à votre pilotage. Effectivement, ça va vous amener des vibrations, mais pas forcément quand il faut.
pas forcément qui vont vous aider dans le pilotage, des vibrations qui sont pas en plus non plus énormes sur la console, puisque sur PC on peut augmenter le gain. Donc non, franchement, alors c'est mon avis, hein. Je sais que sur console il n'y a pas beaucoup de systèmes équivalents, même très peu, après il faut bidouiller, mais non, clairement ne l'achetez pas, 250 euros c'est trop cher. Ça aurait été 150 euros, je vous ai dit, pourquoi pas, ça vous amène des petits, merci, ça vous amène des petites vibrations, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait sur PC. Donc pour console, pour moi, next, passez votre chemin. Peut-être qu'il arrivera autre chose un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas adapté. Ça se base sur le son et c'est clairement pas crédible. Ensuite, sur PC, j'ai été un peu déçu. Déçu, effectivement, je vous ai montré l'utilisation avec Simub, hein, logiciel tierce. Je ne vous l'ai pas montré avec le logiciel de Next Level. Il est certainement pas plus complet, plus abordable, plus simple d'utilisation, et encore une fois moins précis. Donc moi j'ai voulu aller au bout des choses. C'est pas le problème du logiciel qui me fait dire aujourd'hui que je suis réticent sur ce produit. Non, là où je suis réticent, c'est dans le confort. On est bien dessus, mais le problème, c'est qu'il fait quasiment 6 cm d'épaisseur. Du coup, moi, mon siège qui est un Sparco que vous voyez là, hop, qui est baqué sur les côtés, n'est plus baqué en fait. C'est-à-dire que je sors de ma zone de baqué. Donc du coup, je ne sais pas comment bien me placer, je ne suis plus retenu sur les côtés. Bref, je perds l'intérêt d'avoir mon siège baqué. Donc pour moi, c'est rédhibitoire. C'est la raison pour laquelle je vais retourner le produit. En termes de sensation, effectivement, par rapport à un butt kicker, parce que je reviens là-dessus, c'est ce que j'ai sous mon siège, le butt kicker, il va faire vibrer l'assise complète. Là, effectivement, comme je vous l'ai montré, si vous passez sur un vibreur à gauche, les roues de gauche, il y a que, alors si vous choisissez, hein, si vous le configurez comme il faut, il n'y a que les coussins, que les moteurs de gauche qui vont vibrer. Pareil sur la droite. Si vous freinez, vous pouvez choisir de ne faire vibrer que l'assise. Si vous avez un choc, vous ne pouvez choisir de ne faire vibrer que le dossier. Ça, à ce niveau-là, c'est bien. Par contre, j'ai dû mettre tous les gains à fond. Que ce soit sur la télécommande du siège ou sur Simub et ma carte son, j'ai dû mettre à fond les gains pour avoir un volume suffisant pour ressentir quelque chose. Donc maintenant, oui, c'est moins compliqué qu'un butt kicker à régler, à placer, à mettre. Ensuite, c'est alors le butt kicker là que j'ai, gamer, je crois qu'il doit être aux alentours pareil, 240 euros. Je sais même plus s'il est en vente. Et effectivement, quand il y a une vibration, c'est général. Donc moi, en l'occurrence, je le mets vraiment que sur le passage de vitesse ou des choses comme ça. Oui, c'est moins bruyant que le butt kicker, c'est sûr. Un butt kicker, il y a des vibrations qui sont un peu plus imposantes. Là, on est directement collé sur le siège, donc forcément, les moteurs, on les sent tout de suite. Donc voilà, moi, je vous dis mon ressenti, 250 euros pour ça. Ça fait le taf, les vibrations elles sont là, c'est réglé aux petits oignons, on fait ce qu'on veut avec le logiciel, il n'y a pas de souci là-dessus. La qualité de fabrication elle est là, il n'y a pas de problème. Mais non les gars, 6 cm, pour moi c'est pas possible. En plus du coup, le baquet c'est autant sur l'assise que sur le dossier, voilà, il n'y a plus de baquet du tout. Donc pour moi c'est décevant à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle, donc j'ai vu avec le fournisseur, je vais le retourner. Voilà, n'hésitez pas à me poser la question si vous en avez. J'espère ne rien avoir oublié. Alors comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas fait de test sur la simulation à l'aviation, parce que je ne trouvais pas ça pertinent, et notamment au regard du problème que j'ai évoqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous aura servi de vous faire peut-être un choix. Je sais pas si c'est français, bref. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura été utile. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude et je vous dis une bonne journée. Tchuss!